Bon, on va commencer avec quelques diapositives. Donc, Mathieu, nous irons sur cette île avec un film de Bruno Civet, donc pendant une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, c'est Philipson qui va nous emporter aussi dans les fonds sous-marins. Et il va nous montrer un petit peu les aventures géologiques de Mathieu et Hunter depuis 12 millions d'années. On ne va pas regarder, rassurez-vous, toutes les années. On va faire des sauts très importants. Et après, pour revenir au XVIIIe siècle, donc en 1788, au moment de la découverte de ces îles, qui ont posé problème, puisque on verra que le capitaine Fearn a mis un petit peu la pagaille sur les noms. Donc, Mathieu, Hunter. Donc, Hunter est plus ancien. Mathieu, on a un peu moins de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, et les deux volcans ont des racines à environ 1600 mètres de profondeur. Pardon, je voulais revenir là. L'activité de Hunter est très faible, et les des solfatares dans cette zone, et puis un petit peu de ce côté-là. Voilà. Par rapport à Mathieu, vous avez vu que l'activité est, elle, beaucoup plus importante. Zut. Bon. Dans cette... oui, je me trompe, c'est possible. Dans cette zone, voilà. Avec un cratère actif et des solfatares. On verra d'autres photos tout à l'heure. Oui, pardon. Il faut que je me rapproche. Oui, pour aller vers Mathieu et Hunter, donc on passe près de l'île de Walpole, qui n'est pas volcanique et qui est à 250 km de la Grande Terre environ. Voilà, une très belle île, il y a beaucoup d'oiseaux, des grottes et des restes de passage. Des hommes ont vécu sur cette île, et il y a une exploitation également du guano, enfin du phosphate, au début du XXe siècle. Alors, où sont précisément Mathieu et Hunter? Donc, à l'est complètement de la Grande Terre, donc Walpole, Mathieu et Hunter. Donc, ici est représentée la zone économique de Nouvelle-Calédonie. La zone avec ses limites au niveau des 200 milles depuis les îles. Alors, justement, un petit rappel des droits souverains et côtiers qui existent un petit peu partout dans le monde. Donc on a 12 milles nautiques, c'est vraiment la mer territoriale en pleine souveraineté. Une zone contiguë ici qui est 12 milles de plus, donc qui nous conduit à 24 milles. Et la zone économique exclusive qui est à 200 milles. Alors pourquoi 200 milles? 200 milles, en fait, ça vient... cette largeur vient du courant de Humboldt, qui est un courant froid et qui circule de la Terre de Feu, Chili, Pérou et Équateur. Et donc, les courants froids, ça attire beaucoup les poissons. Et devant ces trois pays, il y a eu beaucoup de pêche. Et donc, ils ont effectivement demandé une protection sur toute cette zone. Donc la zone des 200 milles, et actuellement il y a une possibilité d'extension jusqu'à 350 milles, mais pas pour la mer, simplement pour le sol. Alors bon, les conditions d'exploitation sont difficiles, il faut demander à l'ONU des droits. Donc les frontières maritimes dans le monde, il y en a 4500 à peu près dans tous les pays, et la Calédonie en a avec donc l'Australie, les Salomon, les Fidji et le Vanuatu. Alors, sur ces îles éloignées, il y a des problèmes. Ce sont les... pardon. Voilà, cette carte est une carte du journal Le Monde, une carte du service infographique du Monde. On aperçoit... ici, donc, ce sont un petit peu, si vous voulez, toutes les revendications au niveau des îles dans le monde. Donc, je crois qu'il y en a près d'une centaine. Donc, on voit, oui, on voit ici Mathieu et Hunter. Walpole est également signalé, je pense que c'est une erreur, parce qu'il n'y a pas de problème de revendication sur Walpole.
Et puis, il y a beaucoup de revendications au niveau de la Chine. En mer de Chine, il y a à peu près 200 îles, îlots et rochers qui sont revendiqués donc par la Malaisie, le Vietnam, les Philippines, le Brunei, Taïwan. Bon, c'est assez compliqué. Et pour respecter la convention de Montago Bay, qui a été signée en 1983, la zone des 200 000 était tendue. La convention de Montago Bay dit une île est une zone habitable et avec de la mer autour. Bon, les Chinois avaient une île avec un rocher. Ils ont commencé par construire une station météo. Puis après, ils ont continué à bétonner. Et ils ont fait une piste d'avion de 5 km. Et ils revendiquent effectivement une zone autour des 200 000 de cette construction. Et donc ça, c'est pas accepté. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole. On va regarder le film de Bruno Civet et partir en bateau vers Mathieu. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci à toute l'équipe du Musée Maritime pour l'organisation de cette soirée-conférence. Merci à Michel et à Philipson pour partager avec grand plaisir, je le sais. Ouais, arrête peut-être le film, là. Ouais, merci, je disais merci à Michel et à Philipson pour partager leurs connaissances aussi bien historiques que scientifiques sur ces deux bouts de terre émergés que sont Mathieu et Hunter. Et je vais en profiter pour remercier mes compagnons de voyage qui, depuis maintenant quelques années, me suivent de temps en temps, de façon complètement inconsciente d'ailleurs, dans des contrées pas forcément classiques, et qui, sans eux, cette croisière, cette aventure n'aurait pas eu lieu. Donc voilà, merci à tout le monde. Le film que vous allez voir ce soir, la partie du film, parce qu'en fait vous ne verrez la préparation, l'arrivée sur Mathieu et Mathieu, a été tournée donc l'année dernière, début juin, donc juin 2021. Au départ, l'idée d'un film, c'était vraiment un film souvenir, hein, genre road trip entre copains. Et puis au fil de l'aventure, je me suis dit que ça serait quand même sympa de pouvoir en faire profiter le maximum de monde. Car je me suis rendu compte que finalement des images de Mathieu et d'Hunter, il y en a très peu. Ces îlots aussi éloignés, aussi isolés que splendides, aussi hostile que magique, méritait quand même d'être vu. Et en plus, même ici à Nouméa, peu de gens soupçonnent l'existence de deux volcans, qui plus est actifs, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà un peu ce qui m'a amené à me lancer dans l'aventure d'un 26 minutes. 26 minutes, c'est parce que c'est un format télé. Donc voilà, vous en verrez une partie aujourd'hui. Je vous laisse regarder. Je vous souhaite de prendre autant de plaisir à découvrir ces images que j'en ai eu à les vivre, à les filmer et à monter ce film. Je vous souhaite une bonne projection, une bonne conférence, et puis à tout à l'heure peut-être. Merci à vous. C'est l'hiver austral dans ce coin perdu du Pacifique. Un vent du sud-ouest pousse lentement notre bateau encore un peu plus vers l'horizon, vers l'est. Ici, l'océan est rarement calme. La houle du large frappe constamment le littoral et ses rochers. De splendides falaises de basalte se dressent de part et d'autre.
le ciel se noircit d'oiseaux. La terre siffle, gronde, souffle, dégage des fumerolles brûlantes. Une ambiance de fin du monde, ou plutôt de début de la création. Mais où sommes-nous ? Les archipels de la Nouvelle-Calédonie vont nous dévoiler quelques-uns de leurs nombreux joyaux. La Calédonie, les loyautés. Là, on a les dernières îles du Vanuatu, avec l'axe de Vanuatu qui est comme ça. Donc, l'île des Pins, l'île de Walpole, Matthew Enter. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille jusqu'à Enter, en passant par Walpole et Matthew. 580 km à vol d'oiseau de Nouméa, 650 nautiques aller-retour. En voilier, dans des conditions de mer classiques, c'est 4 jours et demi de navigation. On pourrait appeler cette croisière la WMH, Walpole Matthew Enter. Qu'est-ce que t'en penses ? Banco, on met les voiles ? Notre intention est d'aller au plus loin vers l'est, vers ces îles isolées où il est difficile de se rendre et d'accoster. Une croisière atypique, une croisière vers quelques-uns des paysages les plus surprenants des archipels calédoniens. Fin mai, c'est le jour J, le grand départ. Une dépression importante située en Nouvelle-Zélande et générant une houle exceptionnelle de plus de 6 mètres nous a contraints à repousser notre départ de 48 heures. La météo nous incite donc à opter pour un voyage direct jusqu'à Matthew. Première manœuvre, premier réglage. C'est parti pour 9 jours de découverte et de partage. Très vite, la grande terre disparaît. Puis, nous quittons le lagon sud pour la pleine mer. Le soleil se couche rapidement cette saison. Première nuit en mer. Après bientôt 24 heures de mer, nous croisons au sud de l'île de Walpole. Quelques oiseaux marins viennent nous saluer. À bord, la vie s'organise. Jeux, repas, lecture, sieste. Encore 24 heures avec ce vent porteur, contraire aux alizés, et nous serons proches de Matthew. La nuit tombe. Nous avons tous hâte de découvrir cette île demain matin. C'est le moment de la distribution des quarts de nuit. 11h. 12h. 1h. 2h. 3h. 4h. 5h. Levé de soleil. Le vent est tombé durant la nuit. Au petit matin, nous découvrons Matthew et sa forme si particulière. La houle joue avec notre regard. Des frégates et des fous viennent à notre rencontre. Matthew aurait été mentionné pour la première fois en 1788 par le capitaine britannique Thomas Gilbert, qui l'aborde le 27 mai et la nomme du nom de l'armateur de son navire. Française depuis 1929, la souveraineté de l'île a longtemps été contestée par les Anglais. Aujourd'hui, le Vanuatu la revendique régulièrement. Nous arrivons par le sud et contournons la pointe est en espérant trouver un mouillage satisfaisant face à la grève du nord de l'isthme. Nous nous approchons au plus près afin de s'abriter au mieux. Ouais, pas loin, ouais. Île volcanique,
Matthew est la partie émergée d'un stratovolcan dont la structure a beaucoup évolué depuis un siècle. C'est le moment d'immortaliser cet instant de bonheur partagé. Rapidement, nous préparons l'annexe, les chaussures de marche et les appareils photo. Sur l'île, des oiseaux par milliers virevoltent déjà dans le ciel azur. L'accostage sur cette plage sauvage n'est pas des plus simples. De gros rochers et le ressac permanent rendent le débarquement délicat. Maud s'en souvient encore. Une magnifique falaise de basalte se dresse à l'entrée de l'isthme. Ces roches, issues d'un refroidissement rapide du magma, nous impressionnent tant par la beauté de leur couleur que par leur aspect. Le ciel se noircit de vols incessants de sternes. Nous restons de longues minutes à les observer. Nous entamons notre excursion vers le sommet du volcan. Nous progressons doucement afin de ne pas perturber cette impressionnante colonie de sternes fulgineuses et cheminons vers un passage qui nous permettrait de gravir les 177 mètres qui nous séparent du sommet. Des fumerolles sulfurées tapissent les pentes, les failles. Les souffles brûlants aux odeurs de soufre nous indiquent clairement que le volcan connaît actuellement une forte activité. Nous nous retournons régulièrement pour admirer le dôme est de l'île. Plus nous grimpons, plus les fumerolles sont nombreuses et plus l'ambiance atypique de cette île isolée au bout du monde se fait ressentir. Au loin se dresse l'île de Hunter, située à 75 km plein est, l'endroit le plus à l'est des archipels calédoniens. Nous nous approchons de ce que l'on pourrait appeler le cratère, en fait une cassure traversant de part en part le volcan. De superbes parois jaunes qui contrastent avec le bleu du ciel se dressent devant nous. À nouveau, nous immortalisons ce moment privilégié. Tout en bas, nous pouvons apercevoir de nombreux interstices par lesquels s'échappent d'imposantes fumerolles. Nous sommes très surpris de voir des fous masqués au milieu de ces émanations sulfureuses. Tels certains papillons vivant dans les cratères de volcans, ils se sont acclimatés au fil des années. Nous contournons le volcan par le nord afin d'approcher un peu plus encore ce cratère en forme de faille et profiter de ce spectacle ineffable. D'en haut, nous pouvons apercevoir, voguant à la surface de l'océan, les nappes colorées des résurgences du volcan.
des paysages lunaires viennent encore ajouter une petite touche mystérieuse à ce décor déjà irréel. En raison de son accès difficile, le volcan de Matthew n'est malheureusement pas très étudié. Les vulcanologues du monde entier seraient pourtant probablement enchantés de l'explorer. Il est temps de redescendre. Le retour vers l'isthme est tout aussi beau. Nous retrouvons les oiseaux qui semblent nous saluer de leurs cris incessants. Deux mondes bien distincts. Le sommet volcanique, minéral, tourmenté de fumerolles, et le littoral dans son exubérance animale et végétale au sein de cette île minuscule perdue dans l'océan. Notre deuxième jour sur l'île. Aujourd'hui, le groupe se sépare. Alors que certains remontent sur le sommet du volcan, nous décidons de nous rendre sur la grève sud de l'isthme, où se situe une autre magnifique falaise de basalte. Matthew est une île volcan relativement jeune. La grande majorité de sa surface émergée ne date que d'une centaine d'années. Nous grimpons partiellement sur le cône est de l'île. D'ici, nous distinguons très bien la faille du volcan. Et toujours ces milliers d'oiseaux en contrebas qui ne lassent pas le regard. Perchés au sommet du volcan, nous pouvons apercevoir Ludo admirant ses fumées incessantes. En ce début d'hiver austral, c'est la période de nidification pour les sternes. Les deux parents vont se partager très consciencieusement les 30 jours que dure l'incubation. Une dizaine d'espèces d'oiseaux marins se partagent ce petit territoire, mais on y trouve également plusieurs espèces terrestres, comme les hirondelles du Pacifique, des tournepierres, des busards et même des coucous. Par chance, aucun rongeur n'a jamais été repéré sur l'île. Une plaque, de nombreux rochers peints aux couleurs du drapeau français, ainsi qu'une station météorologique attestent de la souveraineté française sur l'île. Notre départ, retardé de Nouméa, les prévisions météo, ainsi qu'une forte houle résiduelle en provenance du sud, nous poussent à abandonner avec regret l'idée de rejoindre l'île de Hunter. Après 48 heures dans ce lieu envoûtant, nous appareillons donc en direction de l'île de Walpole. La turbidité des eaux ne nous a pas permis de plonger à Matthew. Nous espérons nous rattraper à Walpole. Nous contournons l'île par le nord afin d'observer le bas de la cassure du volcan.
Le paysage côtier, mêlé aux vagues se fracassant sur les rochers, est splendide, mais rien de comparable avec le spectacle de couleurs qui nous attend. Bleu, blanc, jaune, marron, ocre, vert, nous restons interdits devant tant de beauté. L'acmé de cette odyssée, un sentiment d'être privilégié nous envahit. L'île de Matthew et son volcan fumant s'éclipsent progressivement. De nombreux oiseaux nous accompagneront pendant les premières heures du voyage. Le vent a tourné sud-est, nous sommes plutôt chanceux. 24 heures de navigation et nous devrions atteindre Walpole. Quelques dauphins viennent nous saluer et jouer à l'avant du bateau. Puis la nuit tombe. Nous nous endormons, des images d'oiseaux, de couleurs et de fumerolles plein la tête. Test. Allô? Ah oui. C'est bon? C'est bon? Okay. Bonsoir à tous. Je vais. Merci Michel de m'avoir laissé une petite espace. Je vais juste vous présenter le cadre géodynamique de où se trouve dans lequel se trouve Matthew Inter. Et en partant très vite sur l'ensemble de l'océan Pacifique, donc je pars de très loin. Et donc vous avez la ceinture du feu du Pacifique. C'est parce qu'il y a énormément de volcans autour. Donc on en compte plus de 450 volcans actifs. Ça représente 75% des volcans mondiaux, donc c'est énormément de volcans. Et en même temps, sur ces zones aussi, c'est 80% des séismes mondiaux. Donc c'est énormément de séismes aussi, on en compte 20 000 par an. Donc des magnitudes supérieures à 4-5. 4-5, c'est quand on commence à les sentir. Et donc c'est regroupé sur à peu près 20 pays différents, et c'est 40 000 kilomètres. En tout qu'est-ce que je peux pointer là, voilà ici, et donc Matthew Inter c'est ici. Et donc pourquoi il y a des volcans dans cette zone, c'est simplement parce que on a les phénomènes de subduction, et donc tout autour de l'océan Pacifique il y a des processus de subduction, donc une plaque qui passe en dessous de l'autre, et donc c'est ça qui génère la formation des volcans et qui également est à l'origine des séismes. Donc l'océan Pacifique, mais à l'intérieur, enfin en dessous de l'océan Pacifique, il y a la plaque Pacifique, vous avez la plaque de Nazca, de Coco, et en tout à peu près 12 plaques qui entrent en jeu, et c'est aux limites de ces plaques qu'on a la formation des volcans. Voilà, si on fait un zoom vers la zone qui nous intéresse, et donc vous avez ici la plaque australienne, la plaque pacifique et la plaque australienne ici. Et donc les enjeux ici, c'est ce qui contrôle la géodynamique de la région en ce moment, c'est la plaque pacifique qui bouge vers le nord-ouest. Et ensuite, en même temps, on a la plaque australienne qui, lui, pousse vers le nord-est. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut se plonger pour connaître un peu, l'histoire, la formation de l'arc de Vanuatu et en même temps le Matthew Inter. Il faut se placer à plus de 12 millions d'années en arrière. Et donc, à cette époque-là, il n'y a pas de zone de subduction à Vanuatu. Et donc, tout se passe là-haut. Là. Donc, les Vidias, c'est l'ancienne zone de subduction dans le temps. Et donc, il y a à peu près 12 millions d'années, il y a ce gros plateau là, qui s'appelle le plateau de Totonjava, il est venu heurter la plaque australienne. Et donc c'est ce plateau-là qui, vraisemblablement, c'est toujours à confirmer dans les recherches futures, mais l'hypothèse actuelle, c'est que c'est ce plateau-là qui a heurté la plaque indo-australienne qui est responsable de l'ouverture du bassin norvégien.
Donc on cogne ici, on crée l'ouverture et on voit de 12 millions d'années, ça commence à ouvrir ici. Et ensuite, c'est à 10 millions d'années. Et petit à petit, on a la formation du bassin nord-fidjien. Et après, on a jusqu'à à 3 millions d'années, toutes les îles sont déjà formées. On les voit ici représentées à 1,5 million d'années. Et aujourd'hui, voilà, on voit ce qui est représenté ici, la Calédonie et les îles du Vanuatu. Et donc, Mathieu Inter, en bas. Vous avez les Fidji ici, aussi. Donc, si je passe à la suivante. Aujourd'hui, la zone est géodynamiquement très active, parce que là, j'avais compté en une année environ 3900 séismes, donc c'est très actif, de magnitude 4 et supérieure. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que contrairement à ce qu'on voit sur la zone de subduction, je reviens ici, c'est qu'on a le Pacifique, c'est la plaque qui plonge en général, qui plonge sous la plaque australienne, mais par contre, à cause de l'ouverture, c'est la plaque australienne qui plonge sous le bassin nord-fidjien et qui génère les volcans. Donc c'est un peu dit particularité de ces volcans, du Vanuatu. Donc ce qu'on voit ici, c'est que ça, c'est les couleurs représentent les profondeurs. Donc là, ça plonge vers le nord-nord-est. Et ici, ça plonge vers le nord-ouest. Et donc les rouges, on est à plus de 6000 km. Et ce qu'on voit surtout, c'est que ici, c'est très ancien. Et ça plonge au-delà jusqu'à 600 km. Pardon. Et par contre, au niveau du Vanuatu, on est à 300 km. Et puis, on descend vers le sud. Et on voit que la cinétique change. Donc, on est vers cette direction nord-est-sud-ouest. Et ça se transforme pour arriver à des cinétiques de nord-sud au niveau de Inter et Mathieu. Et surtout, ce qu'on voit aussi, c'est que la profondeur de la subduction, elle diminue. Donc ici, on est à 300. Et donc à ici, B, c'est l'autre. Ensuite, on a C et D qui sont à côté. Donc Mathieu ici. Donc B et C, donc entre B et C. Donc on voit surtout que la profondeur de la plaque plongeante, elle diminue à mesure qu'on descend vers le sud. Voilà, donc, voilà un petit parenthèse aux collègues qui ont travaillé ici avant, qui ont travaillé avec Michel, qui ont allé sur Mathieu Inter. Cette ride qu'on appelle ici, c'est le ride de Monzier. C'est Monzier qui était avec Michel sur Mathieu Inter. Et il a une ouverture de bassin ici, qui son collègue aussi, qui appelle SN. Et voilà, donc aujourd'hui, on a toujours ce phénomène. Ce qui rajoute en plus, c'est qu'on a cette collision entre la Nouvelle-Calédonie et l'arc du Vanuatu au sud, cette partie-là, entre Mathieu et Gemini. Et cette zone, elle est considérée comme une zone en déficit d'événements sismiques, parce qu'il y a une collision. Et c'est que s'il n'y a pas des séismes dans cette zone, ça ne veut pas dire que ça se passe rien. Ces phénomènes sont continus, la subduction elle continue, sauf que l'énergie est accumulée, donc on craint un peu des gros séismes dans les zones. Il y a des études qui sont en cours sur cette zone. Voilà, donc je termine pour vous montrer un peu plus le zone. Donc vous avez le Mathieu, vous avez ici le Vauban et le Inter, Michel. Voilà, voilà en gros ce que j'ai à dire sur le cadre. Voilà. Merci. Alors ça, c'était encore une diapositive pour Philipson, qui montrait justement les mesures de géodésie qui sont... qui était assez régulièrement pratiqué pour voir les vitesses de rapprochement des plaques. Et ici, on voit donc une station GPS. Alors, ces stations GPS, c'est l'équivalent des petits récepteurs de poche que l'on a. Simplement, elles sont un peu plus grosses et beaucoup plus précises, puisqu'on est capable de voir des déplacements de quelques centimètres. Voilà. Cette photo a été faite par... Philippe Tirard, qui a travaillé justement sur ces mesures et qui a la gentillesse d'être présent ce soir. Alors, on va passer sur la partie historique, donc on va retourner au XVIIIe siècle et regarder une première carte qui a été éditée en 1797.
sur cette carte, ce qui représente le voyage de Morel, un Espagnol, vers 1781. Les découvertes qui ont été faites à la fois avant le passage de Morel, il y a les découvertes de Cook et les cartes de Cook ici. On voit la Calédonie sur la côte ouest qui n'était pas connue, puisque Cook a simplement dessiné la côte est, mais supposait que la côte ouest avait à peu près cette forme. Et puis, on voit les premières Matthews Rock, qui est ici, est déjà marqué. Donc Matthews Rock a été découvert en 1788 par le capitaine Gilbert. Mais le Matthews Rock, c'est le Inter actuel. Et ce n'est pas ce qui est dit dans le film. Bruno a parlé de découverte de Matthew par Gilbert. En fait, Matthew a été découvert par le capitaine Fern. Voilà. Oui, non, je te dis rien, mais tu pourras corriger le film. C'est pas très grave, mais bon. Et cette confusion, elle a duré très longtemps, quoi. Hein. On verra encore tout à l'heure. Donc, alors voilà un petit agrandissement sur la carte. Et puis ici, pourquoi? On va parler tout à l'heure, évoquer un petit mot sur la Pérouse. Qui rencontre donc Louis XVI avant son voyage, ça doit être vers 1785, et son voyage qui allait se solder par une catastrophe, puisque à Vanikoro, il perdra ses deux bateaux et tout l'équipage va décéder. Alors, 1788, on n'est pas encore à la Révolution française, mais les Anglais ont envoyé en Australie ce qu'ils ont appelé la First Fleet, donc la première flotte, pour peupler. La première population est arrivée sur l'Australie. Donc une armada de 11 bateaux est partie de Plymouth. Elle emportait à la fois sur 6 bateaux des convicts, des bagnards, donc des gens récupérés dans les prisons, et il y avait 3 bateaux de transport et 2 bateaux militaires d'accompagnement, donc pour la sécurité. Le voyage a duré 9 mois. Ça s'est pas trop mal passé, il y a eu quand même quelques morts. Il y avait plus d'hommes que de femmes et il y avait aussi des enfants. Et il y a des femmes qui ont accouché aussi pendant tout ce voyage. Voilà, donc après les Anglais ont continué à envoyer des gens pour peupler l'Australie, qui devait s'appeler encore la Nouvelle-Hollande à l'époque. On voit sur cette image quelques personnes, voilà les convicts, les bagnards transportés, donc récupérés dans les prisons. Ça doit aller du voleur de pommes jusqu'à peut-être quelques criminels. L'entrée de la First Fleet dans le port, c'était d'abord Botany Bay et ils se sont déplacés. Parmi ces bateaux, donc, que l'on a vu tout à l'heure, il y avait 2 navires donc, dont on va voir la liste. Les navires, Les navires, la Charlotte, donc commandés par le capitaine Gilbert, et le Scarborough, commandé par le capitaine Marshall. Ce sont ces deux bateaux qui allaient découvrir le Inter actuel, donc que Gilbert a appelé Matthews Rock, du nom, comme c'était dit dans le film, de l'armateur du bateau La Charlotte. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu aussi, ces bateaux? Ils ont vu arriver, ils étaient là début janvier 1788 dans le port de Botany Bay. Et le 21 janvier est arrivé Jean-François de la Pérouse avec ses deux bateaux, l'Astrolabe et la Boussole. Voilà. Ils sont partis 3 semaines après poursuivre leur voyage et c'est là qu'ils ont péri dans la zone de Vanikoro suite à un cyclone. Je crois que l'association Salomon a bien relaté toute cette affaire. Il y a eu toute une série d'expéditions
vers les années 2000 sur les îles de Vanikoro. Donc Thomas Gilbert, qui a quitté le port de Sydney avec Marshall, il naviguait de concert, donc il a édité un livre 2 ans après son voyage. Donc le trajet, c'était de Sydney vers Canton, en Chine, où je pense qu'il a repris une cargaison de thé pour rapporter en Angleterre. Donc, sur la couverture de son livre, il montre déjà, c'est le Hunter actuel, donc Matthews Rock, et qu'il appelle ici, donc bien du nom de Matthews Rock. Le bateau que l'on voit ici, c'est vraisemblablement celui de Marshall. Alors, avec Michel Monzier, dont Philipson nous a parlé tout à l'heure, on avait cette image. Et, alors, on voyait Matthew. On n'a jamais compris comment ça pouvait ressembler au Matthew actuel. Bon, alors, on a mis ça de côté parce qu'on est parti, ma foi, faire autre chose. Et puis, après, j'ai fait quelques recherches. Donc, le voyage du capitaine Gilbert continuait, lui, vers la partie nord du Pacifique. Donc, il a découvert les Kiribati, donc qui s'étaient appelés les îles Gilbert. Les îles Gilbert, donc c'est là où a péri le bateau qui recherchait Moby Dick, la baleine. Je ne sais pas précisément où, mais dans cette zone. Et un peu plus à l'est, l'archipel des Marshall, avec l'île de Bikini aussi, qui a été célèbre pour les essais nucléaires pratiqués par les Américains dans les années 50. Donc, on les trouve ici, les îles qui sont représentées, c'est l'archipel des Marshall. Alors, ici, on a essayé de faire une petite comparaison avec ces deux photos agrandies. Donc, l'île de Hunter, Matthews Rock, dont il donne latitude, longitude, etc. Et puis, un petit dessin fait par le capitaine Marshall, également de l'île. Bon, on voit des différences, hein. C'est un simple croquis. Ça se veut un dessin un peu plus important. Et qu'est-ce qu'on voit partout? Beaucoup d'oiseaux. Donc Gilbert relate effectivement la présence de beaucoup d'oiseaux. Et il trouve que le sommet de l'île, ma foi, il y a pas mal de verdure. Et il parle aussi d'un animal en train de paître. Bon, il est quand même à 3000 à peu près, 3-4000. Hein. Mais en fait, il y avait ni vache ni mouton sur cette île, il y avait que des oiseaux. Quoi. Voilà un petit peu à quoi ressemble l'île, mais ce n'est pas une photo faite par Gilbert, c'est une photo donc, de Philippe Tirard. Et vous voyez que c'est relativement verdoyant. Est-ce que ça l'était de cette façon-là à l'époque? Donc ça, c'est toutes des pisonias, je crois, toute une série d'arbustes dans lesquels nichent à la fois des fous aux pattes rouges et puis des frégates. Donc on revient pour refaire une comparaison un petit peu de cette île. On retrouve nos deux photos présentes tout à l'heure et une photo récente, donc prise au niveau de l'eau pour essayer d'avoir une comparaison. Alors on voit bien le petit îlot ici, qu'on retrouve là, qu'on retrouve ici. Et puis, bon, je ne sais pas quand le dessin a été fait. En plus, il a été repris sans doute pour... Donc, il y a eu plusieurs tirages de ce livre, donc ça a dû être refait sur plaque de cuivre. Enfin, bon, il peut y avoir quelques différences, mais enfin, c'est quand même assez ressemblant. Donc, plus avec la longitude, il a pas fait d'erreur et il n'y a pas eu de problème. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, on était en 1788 pour la découverte de Matthews Rock, maintenant Hunter, avec la Charlotte et le Scarborough. Et puis, 10 ans plus tard, passe un baleinier, enfin, c'est ce qu'on trouve sur les revues, je ne sais pas s'il faisait que la chasse à la baleine. Donc, le capitaine John Fearn, qui passe entre les îles. Alors, il a eu de la chance parce qu'il faisait très beau. Et il a pu à la fois voir l'île de Hunter et l'île de Matthew. Donc il regarde, il met dans son journal de bord qu'il s'est gratté la tête de 10h à midi à peu près pour savoir cette île. Alors il avait la connaissance
effectivement de la découverte de Matthews Rock du capitaine Gilbert. Et quand il voit cette île, il est quand même au ras de l'eau. Et sur les instructions nautiques, il est marqué que cette île, c'est un gros rocher, un rocher très haut. Bon, quand on est très bas sur la mer, ben, le rocher très haut, il est pas si haut que ça, quoi. Je ne sais pas ce qu'il a pensé, mais il a trouvé que le rocher n'avait pas une taille de rocher très haut. Et puis, il a dû reprendre un point de longitude et il a dit non, c'est pas la longitude qu'a donné Gilbert. Donc, je vais l'appeler du nom de mon bateau, Hunter. Et puis, actuellement, cette île s'appelle toujours Hunter et c'est si Matthew. Alors, il a continué un petit peu son voyage, il a regardé cette île de Matthew et il a trouvé que ça ressemblait à un navire sous voile. Donc, il a vu un rocher un petit peu élevé et puis à côté, un rocher très plat. Bon, alors il a continué le voyage, il a noté tout ça. Et puis, il est parti un petit peu plus loin, où il a découvert l'île qu'il a nommée l'île des Amis, qui est le Nauru actuel. Voilà, c'est une île d'une vingtaine de kilomètres carrés. L'île des Amis, parce que les relations avec les Norouans, on dit, ont été très bonnes, et ça s'est très bien passé. Bon, j'ai pas lu cette partie du voyage. Mais donc on rapporte que ça a été une expédition. Ils ont émis ensuite, ça a dû bien se passer, parce qu'ils ont mis des timbres 175 ans plus tard, et puis 200 ans plus tard, avec la découverte du capitaine Fearn, donc son bateau, le Hunter. Voilà. Nauru, vous savez que c'est devenu une île un peu en forme de gruyère, il y a une très grosse exploitation de phosphate. Pendant le XXe siècle. Ça, c'est Matthew, vu de Hunter, donc 70 km d'écart. Alors, nouvelle vue de Matthew, qui date de 1828, et qui a été réalisée au cours du voyage de Dumont-d'Urville, donc sur son bateau qui se nommait également l'Astrolabe, comme un des bateaux de l'expédition de la Pérouse. Il avait pour charge de retrouver des restes du bateau de la Pérouse et c'était une demande du roi Louis-Philippe, puisqu'on a effectivement fait la révolution en 1789, mais on a remis un roi vers 1824, je crois, et qui s'appelait le roi des Français, et plus le roi de France. Voilà. Donc, un premier dessin, si vous voulez, très intéressant, donc il trouve un volcan vraiment en très forte activité. Il note également des dimensions de cette île. Voilà, c'est le commandant donc Dumont-d'Urville. Voilà, et puis ça doit relater son premier voyage qu'il a. Il a réalisé plusieurs voyages dans le monde, le premier de 1826 à 1829 à peu près. Donc ensuite, il y a eu des éditions de quelques livres et de nombreuses cartes. Donc en fait, il n'était pas commandant de marine, il était général d'armée. Bon, il n'a pas eu de chance, il est pas mort en mer, il est mort à l'occasion d'un accident de chemin de fer en 1848 avec sa femme et son fils, donc sur une ligne qui devait aller de Saint-Germain jusqu'à Paris. Voilà l'île de Matthew qui a été dessinée donc, au cours de son voyage par le maître principal Gilbert. Donc on a regardé et puis on a fait des comparaisons, on a regardé un petit peu, on a essayé de déterminer les dimensions par rapport donc aux latitudes et longitudes de cette carte. Donc une autre carte, une carte de Dumont-d'Urville, ici, avec le rappel du volcan Matthew. Donc l'île Matthew, il l'a appelée volcan Matthew. Et il est un des premiers à déterminer ici la Micronésie, la Mélanésie, les îles Noires, et la Polynésie multiple. Et ça, c'est une appellation qu'on trouve encore. Hein.
Alors, c'est un peu contesté par quelques anthropologues, mais enfin, bon, ça mérite de rendre les choses quand même assez claires. Donc, un petit peu plus tard, donc on était en 1828, en 1839, les Américains ont préparé une très grosse expédition scientifique sur le Pacifique. 4 navires, plus 2 navires de fret, un petit peu, sur cet ensemble. Donc, commandé par un jeune capitaine, le capitaine Wills, et sur lui, il devait se trouver sur le bateau le 27. Ils ont approché de cette île, et dans son journal de bord, cette île, il l'appelle, il dit, ça y est, j'ai débarqué. Alors, il était en Arctique, il est passé à Hawaï, il est passé à Fidji, et il est arrivé jusqu'à Hunter. Donc, il voulait ramener quelques échantillons, et il y a un canot qui s'est approché, mais il voyait qu'il ne pouvait pas aller sur le bord. Donc, il y a 2 officiers qui ont plongé et qui sont allés chercher les échantillons. Ces échantillons se trouvent toujours à Washington, à la Smithsonian. Ils ont rapporté des échantillons de toutes les îles. Il a produit 5 premiers volumes, plus un atlas, et en 30 ans, il a reproduit 19 volumes de cette expédition et 11 atlas. Donc il a refait les positions de près de 300 îles. Oui, un travail scientifique considérable quand même hein, sur cette expédition. Voilà. Donc, on a ensuite, en 1840, il y a le passage d'un navire qui s'appelle le Florencia. Alors, difficile de retrouver un peu plus que ça. On a récupéré ça dans un ouvrage de 1841 où il relate simplement ce voyage. Mais on n'a pas regardé le livre de bord du commandant Goodwin de l'époque. Alors, il aperçoit l'île de Matthew, donc le Matthew actuel hein, dont je parle, et puis il y avait un gros nuage au-dessus. Bon. Il s'approche un peu, puis le nuage, il dit, mais c'est pas un nuage, c'est de la fumée. Alors il pense qu'éventuellement, il pourrait y avoir des marins qui pourraient se trouver sur cette île, ou des indigènes de la région. Et puis il approche encore un peu, et voilà ce qu'il raconte. Cependant, ayant doublé la pointe nord, nous avons pu voir une nappe de feu qui dévalait du sommet jusqu'au pied du mont. En empruntant un ravin encaissé, j'en ai conclu que l'île était d'origine volcanique et que ses foyers souterrains étaient toujours en combustion. C'est joli, ça. Voilà. Donc, un témoignage, si vous voulez, d'une activité en 1840. Et puis, il poursuit. Nous avons observé le phénomène jusqu'à une heure tardive et avons vu occasionnellement, mais distinctement, cette nappe de feu descendant du sommet et à environ mi-hauteur de la pente se séparant en deux pour rejoindre la base. Je peux affirmer sans aucune hésitation qu'il s'agissait d'un phénomène volcanique. Bon, c'est très bien. Voilà, c'est à peu près, c'est un témoignage. Malheureusement, il n'y en a pas trop comme ça. Alors, on espérait en trouver, et donc de rechercher, si vous voulez, à partir des journaux édités par les baleiniers. Alors, ces journaux, on a eu un petit peu de mal, Isabelle, qui est ici, qui m'a aidé, qui est bibliothécaire, documentaliste à l'IRD. Il y avait déjà quelque chose d'édité pour un travail qui a été fait par les Australiens vers les années 1980, où on voyait un peu, donc qui était quand même très intéressant, les séries de dates. Alors on voulait maintenant essayer de trouver les livres de bord. Bon, alors il y a eu des microfiches qui ont été faites et qui sont à Canberra, mais ce n'était pas très facile de les avoir. On a fini par pouvoir avoir accès à une bibliothèque américaine, et là, les livres étaient en ligne. Donc, vous imaginez, il y a eu... les Américains ont envoyé 500 baleiniers au 19e siècle dans l'océan Pacifique, pêcher la baleine. Et tout est, consultable sous forme... Tous les journaux de bord sont conservés, mais dans plusieurs bibliothèques. Alors,
on a trouvé celle de William Hamilton, et puis en essayant de, en relisant un petit peu les pages qui concernent Matthew Hunter, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'informations sur l'activité du volcan, mais qu'il s'en servait uniquement comme repère, donc pour passer entre Matthew et Hunter. Voilà. Donc c'était intéressant de voir un petit peu toute cette période, surtout de 1839 à 1853. On va voir pourquoi. Donc la pêche à la baleine, c'est quelque chose d'assez dur. Ça, c'est la vigie qui essaie de voir les baleines. Et ça, c'est des chaudrons que l'on trouve sur certaines îles. Il y en a une à Natchum. Et donc, il rapportait le lard et il le faisait fondre et récupérer l'huile. Alors, il faisait ça également à bord des bateaux. Donc, vous imaginez, faire du feu, chauffer le lard à bord des bateaux, il y avait des risques, effectivement, d'incendie, quoi. Voilà. Là, c'est peut-être, c'est vraisemblablement, voilà, un chauffage pour extraire l'huile des morceaux de lard. Bon, on n'a pas exploré tous les journaux de bord, mais la moitié à peu près, et la moitié, enfin, n'est pas intéressante au niveau volcanologique, c'est simplement, ce sont des repères. Ça, c'est un dessin relevé sur un journal de bord de pêche à la baleine. Voilà. Donc, avec des canaux, c'était quelque chose vraiment de très dangereux. Il y avait un chirurgien à bord, en général, sur les bateaux. Donc, on poursuit un petit peu. Cette fois, on est en 1853. Donc, on avait quitté un bateau en 1840. Qui donnait des informations. On a vu les baleiniers qui ne donnaient pas d'informations entre 1840 et 1853. Et là, c'est une expédition anglaise, aussi à caractère scientifique, dans la région sud du Pacifique et pour l'Australie. Donc, un navire hydrographe, donc chargé de faire des cartes bathymétriques, un petit peu dans toute la région. On voit ici la manière dont on travaillait à l'époque, donc avec un fil à plomb un peu, et sur les deux bateaux, enfin on s'imagine que c'était compliqué, hein, à la fois avoir le point avec assez de précision, c'était pas simple. Ça c'est une coupe qui a été dessinée aussi par les équipes du commandant des NAM. Une coupe de l'île de Matthew Island. Donc là, il a bien repris la nomination donnée par Fearn, hein, l'appellation. Alors, cette campagne a dessiné, enfin, c'est intéressant. Voilà l'île de Matthew en 1853, et voilà l'île d'Hunter. On va faire des comparaisons un petit peu plus loin. Voilà, une comparaison. Alors, ici, en 1828, on a l'île de Matthew, donc le passage du Mont d'Urville. Ici, l'île de Matthew toujours, mais en 1853. Et ici, l'île de Matthew, réalisée par le CHUM en 1987. Donc, si on compare à peu près ces îles, enfin, les tailles sont approximatives, donc on a en partie, l'île de 1853, elle devrait occuper à peu près cette zone. Et cette zone aurait disparu entre 1841 et 1853. Donc il y a eu une très grosse activité. Et après, on a toute cette partie qui a été émise par le volcan et revenue en surface et qui doit se trouver dans cette région. Donc, dans le film de Bruno, il en parle, donc il parle d'une centaine d'années, je crois. En fait, on pense que ça s'est passé vers 1940-1945, toutes les missions de cette partie de l'île de Matthew. Voilà une photo. Donc on a ici l'ancien îlot, donc celui qui a été sur la carte de Denham, de 1853, et toute cette partie-là, c'est tout le nouvel îlot, principalement celui qui a été exploré par l'expédition de Bruno Civet.
Donc, sur cette photo, vous voyez, l'île ne fume pas beaucoup. Il y a des activités un petit peu variables, où il y a davantage d'émissions soufrées, des périodes où il y en a moins. Tout dépend de la pluie également qu'il y a eu, puisque une bonne partie de la vapeur que l'on voit là-bas, c'est de la vapeur d'eau. À peu près, les volcans émettent grosso modo 80% de vapeur d'eau. Un dessin tiré d'après une mission d'un avion de l'époque, de 1958. C'est le directeur du service des mines de l'époque au Vanuatu qui a fait ce dessin, donc avec le vieil îlot, qui vraisemblablement pourrait dater du début du 19e. Ce serait une partie de la carte que l'on a vue faite par Dumont d'Urville. Et toute cette partie-là, donc, est récente, elle a moins de 100 ans, elle serait de 1940-1945. Oui, il y a eu des très gros séismes d'enregistrés dans cette zone à cette époque. Bon, une époque un peu troublée. Évidemment, on peut se demander pourquoi personne n'est venu. Elle a été découverte en fait en 1949 par un cargo qui passe à proximité. Il avait le dessin de profil que je vous ai montré tout à l'heure de Denham. Et puis, il a vu qu'il n'y avait pas que ce profil, mais qu'il y avait aussi celui-là. Donc voilà. Donc après, c'est rentré dans toutes les cartes nautiques. Quand on voit 1948, c'est toujours cet îlot. Et à partir de 1950, je pense que les cartes ont été effectivement corrigées et modifiées. Voilà une vue prise du bateau de la Lys. On s'aperçoit, alors on ne voit pas quand les photos sont grossies, il y a effectivement voilà, toute la coulée, qui est une coulée d'andésite, si vous voulez. Bon, c'est un basalte un peu plus chargé en silice, et ça donne donc une lave pâteuse qui s'écoule doucement. Et ici, le cratère actuel en activité. Voilà. Alors là, on passe, si des gens connaissent le pharmacien M. Martinet, donc qui manque pas de culot quand même. Et il a cherché à atterrir, il a même atterri sur cette piste. Alors je ne sais pas s'il a préparé son atterrissage, s'il est venu un peu avant en bateau mettre les rochers de côté, mais toujours est-il qu'il a atterri, il a planté son avion à peu près au milieu. Il avait été bien préparé. Ah ben ça, c'est intéressant. Une tournée de Philippe Godard. Oui, oui. Il a profité de leur demander d'enlever toutes les patates. Ah d'accord, oui, il y avait une tournée avant, donc de Philippe Godard, oui, dans les années 72. Il leur a demandé de préparer le terrain. Voilà. Donc voilà un point que je ne savais pas. Pourtant, je connais Philippe Godard, mais je ne me souviens pas qu'il m'ait raconté ça. Donc, malgré tout, ça s'est mal passé. Donc, il n'y a pas eu de blessé, mais par contre, l'avion, lui, il a été blessé. Il est. Oui, vous. Il a craché parce qu'il a été surpris par un vol d'oiseau. Il est rentré dans la bande de ballon, il a tout broyé, tout, il ne voyait plus rien. Et il s'est écarté, c'est là qu'il a cassé les deux roues. Voilà, oui, c'est un vol d'oiseau. Alors, vous verrez tout à l'heure, et on a vu déjà, on voit dans le film, la quantité d'oiseaux de sterne fuscata qu'il y a. Alors effectivement, donc c'est bien, j'aime bien ce détail, parce que, oui, donc et c'est ça qui l'a gêné, il a manœuvré, et il a planté l'avion. Donc, on m'a dit que quelques temps après aussi, il y avait un avion de ligne qui passait et qui a porté l'information comme quoi il y avait un avion. Alors, à ce sujet, justement... Oui, mais monsieur... À ce sujet, on a demandé à ce que l'avion soit détruit, et ça a été accepté, et ça a été fait en 1975 par... La marine australienne est dans les environs, et avec l'amiral Well sur le porte-avions Melbourne, oui. Il était présent. Et ils ont donc dynamité l'avion, parce qu'il créait vraiment un problème. Il était constamment observé, ils ont même envoyé des patrouilles, des fois pour voir s'il n'y avait pas des survivants.
D'accord. Alors, je voulais vous poser trois questions. Est-ce que vous avez vu des débris quand vous y avez été? Non, moi je me souviens pas d'avoir vu de débris. Alors, mais que le moteur et que en oui, oui. Merci. Ça va, donc c'était une aventure effectivement pas bon préparée. Et puis malheureusement avec les oiseaux. Alors les. Bon, c'est. Alors, donc ensuite. Là, je suis obligé. Il y a un montage un peu particulier. Voilà. Et là, c'est. On revient de nouveau sur Inter. Alors, sur cette photo, Claude Pambrin, qui est un ingénieur de l'Institut de physique du globe, qui fait des relevés d'eau. Donc c'était pendant notre mission de 1988, donc les trois semaines on est resté là-bas. Et puis il y a un des militaires qui était avec nous qui a découvert une grotte qui fait à peu près une vingtaine de mètres de long sur 7 mètres, et avec du gypse qui est ici en haut. Et dessous il y avait un cairn. Donc on s'est demandé à quoi ça servait. En fait on a la réponse par un archéologue. Dans beaucoup de grottes, les gens qui vivaient donc sur une île comme Walpole, ils montaient un petit tas de pierres, donc un cairn, sur lequel ils mettaient soit un coquillage ou un récipient pour récupérer l'eau douce. Voilà. Donc bon, c'est une eau douce un peu chargée, je pense, en sulfate de calcium, oui. Et voilà. Donc bon, j'insiste pas. Il y a la carte de Monzier qui comporte ici pas mal de détails. Voilà des cartes un petit peu simplifiées qui nous montrent à la fois la présence de la ruine que l'on a commencé à fouiller. Il y a également une autre petite ruine ici sur un terrain très très bon pour la culture. On a pensé que ça pouvait être un station d'un jardin. Donc cette ruine, effectivement, nous dit qu'il y a eu des hommes ont vécu donc sur cette île. Est-ce qu'il y a eu plusieurs expéditions? Est-ce qu'il y a eu une expédition? Bon, d'après les érythrines, donc des arbres qui semblent des arbres plantés par les hommes et pas importés, vu la taille de l'érythrine, on pense qu'elle, bon, un siècle au plus, peut-être, pour l'installation. En fait, tout ça, ce sont des hypothèses. Hein. C'est pas confirmé. La grotte est ici. Voilà. Et donc, vous avez ici toute une zone de fumerolles qu'on a déjà vue lorsqu'on était avec le capitaine Wills. Et puis, il y a quelques fumerolles par là. Il y en a une que l'on a aussi instrumentée avec un câble et des piquets. Alors les piquets pour amener le câble, on le voit tout à l'heure, bon je pense que vous n'avez pas vu, mais moi j'ai revu des poteaux que l'on a plantés sur Matthew il y a plus de 30 ans. Donc c'est du gaillac de Nouvelle-Calédonie. Comme quoi ça tient bien, parce que depuis 30 ans sur Matthew, il s'est passé pas mal de choses. Hein. Je pense que la météo n'a pas toujours été souriante. Alors, de nouveau, la carte, une comparaison entre la carte de Denham de 1953 et la carte du CHOM de 1987 d'Inter. Bon, on voit que ça n'a pas beaucoup bougé, hein, on n'est pas du tout comme sur Matthew. Alors ici, il y a un petit morceau qui semble avoir disparu. Voilà. Bon, il y a des gros tremblements de terre aussi dans la région, hein, des magnitudes entre 7 et 8. Et puis, bon, la mer, la météo, tout ça, ça peut aussi casser des anciennes coulées. Ça, c'est la station qui a été montée sur Inter, donc qui est reliée par satellite. On travaillait avec le satellite Argos, donc pas beaucoup de données à l'époque. Et une station équivalente a été montée sur Matthew. On avait un pluviomètre là, qui a été inventé par Claude Pambrin, et on a pu enregistrer pendant un an à peu près. Il ne tombe pas beaucoup d'eau, hein, c'est 1,50 m d'eau à peu près sur ces îles.
Donc on a eu à chaque fois vraiment plutôt du beau temps. Donc des hommes sur un terrain Mathieu, on a abordé déjà ce point. Alors voici en plus gros ce que l'on a trouvé. Donc elle est par là, et en plus gros voici. Donc c'est à peu près 11 mètres de long sur 7 mètres hors tout. Et puis c'était rempli de sable, de cendres sans doute, sur une trentaine de centimètres à peu près, qu'on a gratté. Et on a retrouvé un seul implant de pêche avec un petit percuteur, aussi qu'on pense à un percuteur. Voilà. Donc, et d'après les archéologues, ces plans de pêche, alors d'une part c'est de l'andésite d'Anter, et ça c'est plutôt Michel Monzier qui l'a déterminé, et il est géologue. Hein. Et puis, donc c'est fait en général par des Polynésiens. Donc, alors on a pu supposer que... Alors, qu'est-ce qui... Bon, tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres hommes qui soient passés avant. Le nom de Hunter, il est également connu, cette île a un nom particulier sur l'île de Futuna. Futuna, non pas le Futuna près de Wallis, mais le Futuna du Vanuatu, donc près de Anatom. Et ces deux îles ont également des noms donnés par les gens d'Anatom. Donc, ce que l'on sait aussi, c'est que beaucoup de gens se sont déplacés, par exemple, sur Walpole pour aller récupérer des plumes d'oiseaux pour des fêtes. Voilà. Et d'autres se sont arrêtés et ont vécu sur Walpole. Alors, pourquoi pas sur Hunter, si vous voulez, qui était finalement un endroit plutôt calme. Alors, on peut supposer aussi que les baleiniers pouvaient s'en servir pour, ma foi, observer les baleines. Malheureusement, ils n'avaient pas ni de talkie-walkie, ni de moyens de communication autre qu'optique, quoi. Mais bon, pourquoi pas, alors ils prenaient aussi des gens des îles, souvent ils avaient une ou deux personnes des îles qui les accompagnaient. Donc la vie faune de ces îles. Donc il y a eu une douzaine de missions d'ornithologie qui ont été réalisées donc sur Mathieu Hunter depuis les années 70 à peu près. Bon, je ne sais pas, sans doute certaines très courtes, d'autres sans doute un peu plus longues. Et au total, il y a une douzaine d'espèces qui semblent présentes donc sur les trois îles. Alors il y a beaucoup plus d'oiseaux sur Walpole. Sur Mathieu, alors il y a des espèces comme les Sternes fuscata. Elles nichent, elles sont présentes que sur Mathieu. Et par contre, sur Hunter, on trouve à la fois des frégates et des fous à pattes rouges qui sont des oiseaux qui ont besoin d'avoir un perchoir donc, et des arbres. Et comme il n'y a pas d'arbres sur Mathieu, eh ben, il n'y a pas de... Bon, et puis ça doit se gérer, hein. Je ne sais pas dans la tête des oiseaux, mais voilà. Donc, alors, après, voilà... des Sternes fuscata sur Mathieu, donc on les a vues en vol tout à l'heure, là elles sont un peu au repos, des gigis, m'a dit un ornithologue, un audi brun, je ne sais pas, d'accord, et puis ça semble être un petit nodi, enfin j'ai relu, mais voilà. Une frégate femelle, des fous, alors deux fous. Donc, un ami qui est ornithologue aussi m'a dit que c'était très rare, en fait, de voir deux fous adultes. En général, le fou tue... Bébé. Mais en général, il n'y en a qu'un. Il y en a un qui disparaît et il est souvent tué par la mère. Enfin, il le laisse vivre et il ne s'en occupe pas, parce que ça doit poser des problèmes de nourriture. Ben là, c'est une gentille maman, elle a gardé ses deux petits. Un couple de fous masqués, donc oui, avant aussi, c'était des fous masqués, et puis un paillant-queue rouge, oui, que l'on trouve aussi en vol. On en a vu nicher, il y en a beaucoup sur... Il y en a sur les deux îles, pardon, mais il y en a beaucoup sur Hunter. Ça, c'est une frégate,
un mâle en route qui a envie de voir une femelle. Voilà. Vous voyez dans l'ambiance aussi sur les arbres. Donc il y a un nid. Alors, il y a des gens qui se sont intéressés à la flore, donc il y a eu des missions également. Monsieur Buteau et Monsieur Jacques ont produit un guide floristique. Donc ils sont allés en 2013, oui, sur les deux îles. Nous, pour Inter, en 1988, on avait ramassé tout un tas de plantes. Donc, et Monsieur Jean-Marie Veillon a trouvé 26 espèces, dont 25 d'identifiées. Et puis, il y a une autre fougère, mais qui était unique, donc on ne l'a pas ramassée. Enfin, on n'en a vu qu'une quand on était sur Inter. Alors, donc, ils ont conclu aussi que sur Mathieu, indigène au sens large, il y a 15 espèces, plus 3 introductions anciennes et 11 modernes. Alors, 11 modernes, c'est pas étonnant, puisque ces îlots ont été occupés, pour des raisons de souveraineté, par les militaires pendant de plusieurs années, 7-8 ans, je crois, à peu près. Et sur Inter, il y a davantage d'espèces. Donc, ils en ont trouvé une trentaine, plus des introductions anciennes et des modernes. Donc, au total, il y a 29 espèces sur Mathieu et une quarantaine pour Inter, plus des mousses et des lichens. Mais c'est peut-être pour les amateurs de champignons. Des insectes, on en trouve également. Donc, il y a des criquets, des sauterelles, des grillons, des coccinelles, des papillons, alors les papillons, bien sûr, des chenilles aussi. Et pendant qu'on y était, on les a vus, mais bon, il y a vraiment un ravage par les chenilles sur la végétation locale. Alors, il y a également des tiques et des araignées. Ça, c'est une araignée sur Mathieu. Et les tiques, on en a attrapé quelques fois avec Michel Monzier. Alors, il ne faut pas les arracher, donc il faut essayer de les asphyxier. Donc, on utilise la friction de Foucault. Et on la met sur une gaze ou un coton. Et puis, donc on récupère la tique et que l'on peut écraser. Alors, les oiseaux en sont souvent couverts. Hein. La plupart ont des tiques. La plupart des oiseaux ont des tiques. Alors, les rats. Oui, les rats, on en parle. Donc, les rats, il y en a simplement sur Inter. Mais ils sont très nombreux, peut-être des milliers, mais enfin c'est une estimation, pas de spécialistes. Des spécialistes sont allés en chercher aussi, ils en ont récupéré un ou deux, mais ils ne sont pas restés très longtemps, quoi. Ils ont passé, je crois, une journée. Et les rats, évidemment, font du dégât dans la vie faune. Hein. Nul doute qu'ils mangent des œufs, et il n'y en a pas sur Mathieu. Donc ils ont dû être importés, sans doute, par les hommes, par les baleiniens, on ne sait pas trop, mais ils sont bien installés. On était, je me souviens, ils venaient le soir, on mangeait dehors bien sûr, et ils venaient essayer de casser la croûte avec nous, donc on avait des dizaines autour de la tente. Donc, le nom des îles, l'île aux oiseaux pour les gens de Futuna, donc, et puis... dans l'angle d'Anatome également, il y a deux noms qui sont d'ailleurs portés sur quelques timbres du Vanuatu. Alors pour les langues européennes, donc dans la logique des découvertes, donc Inder devrait avoir conservé en fait son nom initial. Il a conservé effectivement le nom initial de Matthew's Rock. Donc et Matthew, avoir pris le nom d'Inder, ce serait la bonne logique. Mais enfin bon, c'est le contraire. On n'y retouchera pas. Je pense que c'est définitif, quoi. Fallait simplement savoir un petit peu le problème du baptême de ces îles. Et le baptême qui a été donné par ces îles, le commandant Dumont d'Urville, il s'en est aperçu, il en parle. Ainsi que le commandant d'Enam également. Pour eux, ça paraît tout à fait suspect, cette affaire. Mais enfin, c'est resté comme ça. Donc, alors j'avais écrit une conclusion que je voulais vous lire. Alors, sur la photo, c'est Michel Monzier, je crois en 1979, à Mathieu.
Donc à Mathieu, 1979, Michel Monzier. Voilà, je trouve que c'est une très belle photo. Et puis on a toujours une pensée pour lui, puisqu'il est mort au sommet d'un volcan en Équateur, suite à un AVC, donc il y a quelques années. Donc, en conclusion, un bref rappel de très nombreuses missions de souveraineté qui ont été conduites par la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre, et qui ont été vraiment un support essentiel pour toutes les missions scientifiques que l'on a conduites. Quoi. Aussi bien pour l'océanographie, enfin un petit peu moins pour les océanographes, parce qu'il y allait avec des navires océanographiques, la géologie, la géophysique, les échantillons prélevés à plusieurs reprises pour des inventaires floristiques, pour la vie faune, voilà. Donc beaucoup de ces missions ont été conduites à partir du batral Jacques Cartier, pour ceux qui se souviennent, il a été là pendant de nombreuses années, du navire océanographique Coriolis, qui a disparu, de la Lys également, et qui va également disparaître, il est en ce moment sur les îles Kiribati, que l'on a vu, enfin à proximité. Et puis d'autres navires également de la flotte Ifremer. Toutes les cartes que vous a montrées, les cartes sous-marines Philipson-Bannier, ont été effectivement réalisées avec des navires océanographiques très modernes. Donc. Bon, faudrait-il envisager les missions pluridisciplinaires et réitérer à quelle fréquence? La vie faune, peut-être plus souvent que la botanique. Faut-il éliminer tous les rats d'inter? En garder, les éliminer de temps en temps? Bon, ils sont présents depuis longtemps, mais quel impact ont-ils sur les nombreux oiseaux? Donc, je crois que personne ne sait. Encore un exemple, faire des mesures régulières de géodésie. On a vu aussi, donc ça a été fait dans le cadre d'un programme pendant quelques années. C'est sans doute toujours intéressant d'en faire. Donc, un travail de biblio consisterait effectivement à rassembler tous les rapports scientifiques. Donc beaucoup sont en ligne, mais relativement éparpillés. Les échantillons, j'ai marqué, de l'expédition américaine de Charles Wilkes, prélevés sur Matthews Rock, ont-ils de l'intérêt aussi? Bon, pour savoir, je pense pas, mais tout cela s'inscrit dans une volonté de protection de la biodiversité, de ces îlots jeunes, qui peuvent témoigner donc d'évolution naturelle, suivre une évolution de la biodiversité en fonction des risques naturels, les tremblements de terre, l'activité volcanique, les cyclones, voilà, et loin des influences empiriques. On a vu, donc le film de Bruno Civet l'a bien souligné, pour y aller, c'est pas évident, peu de gens y vont, quoi. Bon, c'est bien aussi pour la vie faune. Alors, Mathieu et Inter font partie du parc naturel de la mer de Corail, qui fait 1,3 million de kilomètres carrés. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire que la ZEE la plus grande, c'est la ZEE des États-Unis avec plus de 11 millions de kilomètres carrés. Et derrière, il y a la France avec 10 millions de kilomètres carrés. Et derrière, il y a l'Australie. Voilà, le parc naturel de la mer de Corail a été créé en 2014. Il représente 1,3 million de kilomètres carrés. Et son classement de toute la ZEE en aire marine protégée, il y a une antenne également en Nouvelle-Calédonie, pour retrouver des contacts internationaux, a été proposé. Voilà, ce n'est pas l'objet de la conférence. Donc il semble important que des accords se fasse à un niveau régional, peut-être avec le Vanuatu, pour gérer cette crise de relationnelle quand même qui existe depuis longtemps, et avec l'appui d'organismes internationaux, évidemment, l'ONU entre autres, et des organismes qui sont associés. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Merci à tous ceux qui ont participé, les photos de Philippe.